Adonis, qui a préféré rester à ma droite ce midi? Adonis, rebonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers téléspectateurs. Quelle est la préoccupation de ce jour? Eh bien, aujourd'hui, nous apportons des solutions à Hervé Kissaou Makoua, qui a posé cette préoccupation. Quelle est la nouvelle procédure de naturalisation à la nationalité béninoise? Vous savez ça? Bon, je ne sais pas si la procédure a changé parce que je ne l'avais jamais essayé. D'accord. En fait, ce service est disponible sur le portail du service public, uservicepublic.bj. C'est un processus qui aboutit à l'acquisition pardon, de la nationalité béninoise. Sa durée, c'est de 10 à 15 jours. Le coût du service, c'est 45 000 francs pour l'étude de dossier et 3 200 francs pour les frais de terrain. Il existe trois cas. Le premier, c'est la demande de nationalité par alliance. Dans ce cas, c'est une demande manuscrite co-signée par les époux et adressée au garde des Sceaux. Un essai de date de naissance de l'épouse avec mention marginale du mariage. Un essai de date de naissance de l'époux avec mention marginale du mariage. Une photocopie légalisée de la souche du volet numéro 1 de l'acte de naissance de l'époux. Une attestation de résidence des deux époux. Une photocopie légalisée du passeport. Un certificat de nationalité de l'époux. Une photocopie légalisée de l'acte de mariage. Une photocopie légalisée de la souche de l'acte de mariage. En fait, les pièces à fournir sont affichées là. C'est pas petit, hein? Oui, mais c'est pour prouver que réellement, vous êtes marié à un Béninois ou à une Béninoise. Le coût de ce service, il est de 45 000. En plus. Oui. Lorsque c'est une demande de naturalisation, aussi, ça, c'est le deuxième cas, la demande manuscrite est adressée au garde des Sceaux, un extrait de date de naissance du postulant en 3 exemplaires, une attestation de résidence, une photocopie légalisée du passeport, un certificat de visite et de conduite, un certificat de travail, un certificat de nationalité du pays d'origine ou toute autre pièce tenant lieu, un quitus fiscal et une somme de 45 000 francs aussi. Le dernier cas, c'est la demande de nationalité en raison de la naissance et de la résidence au Bénin. C'est-à-dire que vous êtes étranger, bien vous êtes béné au Bénin ou bien vous êtes résidé au Bénin pendant un certain nombre d'années. Vous faites aussi la demande manuscrite au garde des Sceaux, un essai de date de naissance, une copie intégrale de l'acte de naissance, le volet numéro 1 ou la souche, une attestation de résidence, présentant que le demandeur vit au Bénin depuis au moins 16 ans. 16 ans? Oui. Une photocopie légalisée du passeport ou de la carte d'identité des parents, une copie légalisée de l'acte de naissance, une autorisation parentale si vous êtes mineur, et une somme de 45 000 francs. Ouais, donc, vous avez trois différentes possibilités, mais à chaque fois, vous payez 45 000 francs pour le service. Et on fournit assez de pièces aussi à chaque fois. Plus 3 200 francs pour les frais de terrain. Eh bien, pour faire ce service, il faut se rendre à l'annexe du ministère de la Justice, puisque c'est le ministère de la Justice qui vous délivre cela. C'est à côté de la direction de l'immigration et de l'immigration. Vous pouvez les joindre au 21 31 56 51 ou leur écrire au mijldacp@gmail.com du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30. Moi, je n'ai jamais eu droit à ça, parce que c'est clair, je suis béninoise. Il y a qu'à ma tête, on le sait déjà, on le je suis béninoise pure. Eh bien, Hervé doit alors se rendre au ministère de la Justice pour voir dans quel cas il se situe, ou se rendre sur le portail du service public pour voir tous les dossiers et apprêter les dossiers afin de se rendre au ministère de la Justice pour faire. Il faut d'abord chercher à savoir dans quel cas on se retrouve Est-ce que vous êtes marié à quelqu'un, est-ce que vous êtes sur le territoire depuis 16 ans et autres. Voilà. Bon, j'espère qu'il a eu satisfaction, qu'il a eu sa réponse et qu'il va le faire.